Mission somewhat damage, fouiller la zone. Tu cours après une fille qui a plus rien à perdre. Ces gens-là sont les plus dangereux de tous, mais j'imagine que tu le sais déjà. Reed pense encore pouvoir la sauver. Est-ce qu'il se voit la face délibérément ou est-ce qu'il connaît trop bien sa vieille amie? Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu l'auras enfin rattrapé, face à qui tu te trouveras? J'ai dans l'idée que même Somi ne connaît pas la réponse à cette question. Je roulais pas moi, j'étais à l'arrêt. Mais rien à battre. T'as qu'à te bouger le cul. Parce que ce trou dans le mur. Soit un mur avec un trou énorme dedans. Le camion est passé en force. Est-ce que tu vas voir? Il va bien? Pas de visuel pour l'instant. Je dois fouiller la zone. Ouvre l'œil. Court-circuit. Il y a eu une surcharge juste avant que j'arrive. C'est elle. Elle a pas pu aller loin. Tu crois qu'elle a complètement perdu le contrôle? Honnêtement, je sais pas. Celui-là, la lâche pas. Je vais essayer de te rejoindre. Ramène-la en vivée. Pour l'aider et pour t'aider toi, il me la faut vivante. Visibilité pas très bonne. Hein. Je sais pas trop. Active avec le mur noir, elle pourrait perdre le peu de contrôle qui lui reste à tout moment. Alors sois prudent. Je le serai. Je dois d'abord me soigner, et après je t'en rejoins dès que possible. On reste en contact. Je pouvais pas m'accroupir pendant le dialogue. Et merde, y a un problème. Ah, attends, comment je peux remonter là? Sur la visibilité est vraiment mauvaise. Hein. Passerelle quelque part. Ah. Ok. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, tu verras que l'abîme te regarde aussi. Et j'aime pas du tout le regard qui me lance. Le genre qui semble dire qu'on n'en reviendra pas. T'es sûr de vouloir faire ça? Pourquoi t'es toujours aussi pessimiste? Qu'est-ce que tu dis de ce qui ne te tue pas te rend plus fort? Médite donc là-dessus. Quand on affronte des monstres, il faut prendre garde à pas en devenir à soi-même. C'est censé parler de moi, ça? De Songbird, pauvre gland. Faut vraiment tout expliquer, hein, putain. Cette nana a vendu son âme au démon du mur noir. Maintenant, elle t'attend en bas. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est encore elle? Je crois qu'on va vite le savoir. Il doit y avoir une erreur, non? Trouve un terminal et connecte-toi. J'ai ma petite idée sur la nature de cet endroit. Je te connecte. T'es dans un complexe militaire top secret dont la construction est antérieure au data crash. Cynosure. Données en cours de décryptage. Attends. Cynosure.
l'équivalent d'une bombe A dans le cyberespace. La réponse de Militech au tueur d'âmes d'Arasaka. La prochaine édition du concours de bits dont les méga-corpos ont le secret. Sumi m'a déjà parlé de cet endroit. Les netrunners de Militech s'en servaient pour plonger dans le deepnet. Ouais. Elle a dit un truc du genre au Black Sapphire. Apparemment, ils voulaient chasser les IA rebelles. Ils ont essayé de les attirer grâce au mur noir, de les piéger pour les dompter. Mais alors, Song... En fait, elle ne nous fuit pas, V. Elle veut une liaison permanente avec le mur noir. Mais... Vas-y. Merde ! Tu comprends rien. Toujours pas... rien. Pas vrai. Non. Ça sera... toujours... impossible... de savoir ce que ça fait de se faire. Couche. Pour les couches. J'ai perdu ma connexion avec Reed. C'est à cause de toi ? Reed m'a déjà volé ma vie une fois. Je ne le laisserai pas. Mais m'a volé encore. Tout va mieux sans lui. Arrête de courir, laisse-nous t'aider. Fais toujours confiance à Reed. C'est lui. Pratique, c'est ça? Ils t'ont menti. Tu coules et tu te raccroches des bras de paille alors que le déluge fait rage. Sol, Myers, leur promesse. Elles m'ont pas. Toi aussi, t'as promis de m'aider. Maintenant. On veut toujours la même chose. Et si quelqu'un peut nous aider, c'est Reed. Reed vit dans un monde de demi-vérité qu'il s'est fabriqué. Oh merde! Arrête, Songbird. Songbird? Moyen. Encore ce résidu bizarre. Elle a dû passer par ici. Oh, la sens. Et on se fait identifier avec l'ascenseur. A coupé nos communications. Ou elle a réveillé un truc en bas qui l'a fait pour elle. Et nous voilà à descendre dans le terrier du lapin, au cœur des ténèbres. Dis-moi que t'as un plan. Je dois atteindre Somi avant de voir. Et la sauver. Très noble de ta part. Tant que le mur noir l'a pas complètement effacé. Parce qu'on se jetterait droit dans un piège autrement.
Oula. Je suis tombé un peu plus bas que prévu. Sans le combat là. Les mines, là, il y a un bip bip. Hein. Vous avez tiré un putain de missile sur nous. Les innocents sont morts. C'est un miracle que Maillard s'est survécu. Ça faisait pas partie du marché. Loin de là. Songbird. Disons qu'il s'agit d'une nécessité. Ton plan manquait de grand. Le mien a produit des résultats. Je l'ai tué, là. Tu t'es servi de moi. Je t'en prie. C'est quoi, ça? C'est une conversation qui a eu lieu avant. Et tu n'as nulle part où elle est. Et tant que je n'aurai pas ce que je veux, tu resteras ici. Apporte-moi les données stockées sur l'ordinateur central de Cynosure. C'est seulement là que... Tu m'es pas parti. Ok. Bordel, Songbird. Ça fait partie de ta combine de me montrer ça? Ah, c'est précis. Je m'en doutais, ça me paraissait trop. Tu vas pas me laisser passer, hein. Dans ce cas, je vais devoir te dégager de ces systèmes. Je
problème c'est la suite, là on prend la suite. Ça me gave leur truc. Terrible, hein, le fait d'avoir tout fait sombre comme ça. Sera absolument terminé quand vous vous réveillerez. Merde, je me sens dans les vagues. Je crois que j'ai peur. Et si je me sentais pas mieux? L'anesthésie commence à agir. Très bien, Sonny. Maintenant, allongez-vous et fermez les yeux. Vous voyez ça, Doc? C'est si beau. Essayez de compter de 10 à 0. La patiente est endormie. Commençons. Commençons.
que Madame l'araignée va nous tomber dessus. Ça a bloqué en sirène. Il doit y avoir aussi des points d'accès dans les zones ingénierie et sécurité. Ah putain. Tu sembles de blesser quelque chose. Nous t'entendons bien. Il me tire dessus ou pas? Puissance, et si je lui tire peut-être pas dessus, il va me foutre la paix. Bon, on a ouvert au moins les deux premières portes. Prendre la main sur le truc, mais vraiment leur système de piratage à la fois simple et compliqué. Plus qu'un terminal de données. J'espère juste que cette ordure métallique va pas buter avant. La ville se compose de pièces éparpillées, impossible à réparer. Nous voyons tous des mouvements. Tiens un peu là. J'avoue là, mon sens de l'orientation n'a pas un coup. Je... On va regarder la carte. Ça me gave. Je peux pas l'ouvrir celle-là. Normalement, je pourrais. C'est en bleu, c'est en deux. Alors attends, je suis ici. Donc c'est celui-là. C'est lui. Nice. Heureusement qu'il était pas là pour me casser les couilles pendant que je regardais. Dis-moi que j'ai trouvé mon truc hier. Espérer que la grosse araignée continue dans les souvenirs. Oh là là. Oh merde. Ne crains pas l'amour. On n'a rien à craindre.
lorsqu'on n'existe pas. Alléluia. Putain, il est rentré dedans pour me rusher. Oui, il va m'arracher les bras. Je pense qu'il faut que j'essaye de refermer la porte derrière. Avant d'ouvrir l'autre. Là. Voilà. J'aurais pas dû scanner en premier. Ce connard a failli m'avoir. Ouais, il t'a eu dans une autre vie. Dépêcher, et puis si on peut refermer encore, pas de courant, merde. C'est pas fini avec lui. Hein. Solennellement de servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. Et maintenant ? Apprenez, rendez-vous utile, soyez ingénieuse. Ready veillera. Et peu importe ce qu'il vous faut, vous l'obtiendrez. Bienvenue à la FIA. Éteindre quoi, Somi? Le cœur? Comment? Somi? Opération terminée. Opération terminée. Pas de réponse. Bien. Opération terminée. Il y en a un qui est... identifiant, une pièce. Dans quoi est-ce que tu m'as embarqué? T'auras pas à le regretter. Et puis, je serai toujours à tes côtés. Je te le promets. J'ai deux questions. Balance. Tu regrettes? Genre, ça t'arrive?
Une fois, il y a longtemps. Et après, j'ai décidé que ça m'arriverait plus jamais. Deuxième question. T'as déjà rompu une promesse ? Une fois. Il y a longtemps. J'ai pas recommencé et je recommencerai jamais. Fais gaffe, j'oublierai pas ces paroles. Ici. Contrôle réseau neuronal. Ok. Les systèmes de stabilisation des liaisons neurales. Pile ce que je cherchais. Faut que je trouve un autre moyen de le désactiver. Et vite. Endommagé. Oh, ça doit être le contrôle des systèmes de stabilisation neurale. Ok, ça c'est donc le premier. Ah merde, il y a notre ami qui revient. Encore ce putain de tas de ferraille. C'est bon maintenant. Salle de contrôle termine pas putain. Putain mais où vous... C'est pénible là. Vraiment pénible. C'est pas celui-là. C'est vraiment pas fun, hein. Enfin, c'est juste chiant. Un peu longuette et pas très drôle. Mais c'est souvent dans certains jeux, vers la fin, ils veulent absolument. Leur désir de raconter une histoire, leur volonté de faire durer le truc, c'est. Le fun du joueur il passe complètement à la trappe. Okay. Système de régulation thermale. Bingo. Ouais. Nous allons couper les ailes. Le mur noir m'a isolé et a enclenché le protocole de confinement. J'entends ou je cherche un autre moyen. La vie se compose de pièces éparpillées, impossible à réparer. On peut tenter. Prendre un coup de jus, tu ne pourras pas comprendre toute l'histoire tant que tu en feras partie.
Ce qui est chiant, c'est le déplacement de Spider-Man là. Ah, et puis alors, c'est une porte ouverte, je prends de temps. Ça nous rend vulnérable et. Là, je peux tourner autour. Trouver la salle de commandement central de la forteresse des données. Trouble du réseau. C'est bon, s'il y avait un plan, ça me. Commandement central de la forteresse des données. Ok, c'est là. Oh putain. Je vois pas de PC. C'est bon, ça s'ouvre. Vous y voilà. Le commandement central de la forteresse de données. Pas de piratage à la con, hein. Et merde, je vais devoir employer la manière forte. Comment ? Pas le choix. Détruire les dispositifs par feu. Tire Mosconi, j'ai peur d'attirer mon ami araignée. Alors... Contrôle de la forteresse de données principale, désactivé. Nous foutre la paix jusqu'à la fin. Attends, ça n'a pas été suffisant. Je crois que c'était bon. Hein. Casse-toi.
Mon seigneur, pour que ça s'arrête. Hein. J'espérais trouver un bouton pour arrêter cette saloperie. L'impression qu'elle a pris vraiment très cher. C'est vrai qu'il y a une partie de l'histoire où on voit qu'elle trahit tout le monde et autres, mais quand on voit ce qu'elle a subi... Ça n'a pas été simple. Trôle du cœur. On est au bon endroit. Espérant que notre ami Spider-Man pas gâcher la tête. Pas sûr que ce soit un souvenir, ça. Est-ce que c'était ouais, ça par contre là, elle est plus ça a l'air plus d'actualité. C'est toi? Parfois, j'ouvrais la fenêtre, je m'asseyais sur le rebord, juste pour écouter. Le bruit de la rue, la vie qui se passe, tu vois. Ça avait
quelque chose d'apaisant. Maintenant, j'entends plus. Je ressens plus. Plus rien. Et toi ? Je devrais ? J'ai vu d'autres visions. D'autres illusions avant ça. Des illusions ? Je t'ai vu avec Reed. Avec Myers. J'ai vu ton passé. Tu te souviens pas ? Non. Le mur noir me consume entièrement. Le vide s'étend. Je le sens. Je le remplis de souvenirs. Mais elle les emporte tous. T'as piraté notre liaison neurale, utilisé les ressources de la relique et la puissance de calcul du cœur pour nous emmener dans ton palais mental numérique. Est-ce qu'on est en sécurité au moins ? Toi, oui. Moi... Eh bien, une version de moi te sauve la vie. Une autre te parle ici. Et une autre est en train de mourir. Mais c'est pas un palais mental, ici. Et c'est quoi, du coup ? Chez moi, à Brooklyn. Je t'en ai parlé, tu te souviens ? Je me souviens que tu m'as parlé de cet endroit. Ton vrai foyer. Tu t'y sentais en sécurité. Mais ça, là, rien de tout ça n'est réel, Somi. J'ai commis tant d'erreurs. J'ai fait des choses terribles. Mais ici, à l'époque, ça comptait pas. Je me suis donné une dernière chance et toi, tu m'en as privé. Pourquoi ? Somi, sur le moment... Je pensais faire le bon choix. Le bon choix ? Pour qui ? Toi ? Reed ? Pour tout le monde. Il n'y a jamais que des gagnants. Surtout à trois. Parfois, le bon choix, le plus courageux, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Je suis désolé, Somi. Je veux t'aider. Dis-moi comment. Je sais ce que j'ai fait. Je sais le prix que j'ai payé. Ce que tu ignores, c'est comme je regrette. À quel point ça me fait mal. Somi. Somi. Sans que ça à faire. Ah ouais, c'était avant. C'est parce que j'ai pas vu son truc au niveau de la, du crâne. Et de ses cheveux en fait qui le cachaient. Donc, c'était bien souvenir. Merde! Encore une seconde et c'était bon! Mais c'est quoi ce bordel, Somi ? Ça fait trois jours que j'essaie de t'appeler.
T'en fais pas, tout est parfaitement sous contrôle. Tu te fous de ma gueule ? La semaine dernière, je t'ai retrouvé évanoui sur ta putain de chaise. J'ai passé la nuit à m'assurer que tu meurs pas d'une surchauffe. Ouais, bah, personne t'a demandé de le faire. Mais tu t'entends parler ? Écoute, j'ai ce nouveau boulot, un truc de malade. Si ça marche, ce sera une première. Je peux entrer dans l'histoire. Alors, j'ai besoin de me concentrer. Il me faut du temps et de l'espace pour réfléchir. Alors voilà, ton nouveau mantra. Et nous, dans tout ça, on devient quoi ? Hey, tu sais quoi ? C'est bon, je me casse. J'ai perdu. Les gens que j'ai blessés. Ça. Ça n'a vraiment plus aucune importance. Je m'efforce moi aussi de rester en vie, Song. On fait tous des erreurs. On s'égare tous. Et on se baisse pour ramasser les morceaux de sa vie. Les recoller. Chercher un sens à tout ça. Ça peut encore bien se terminer. Pour toi. Pour moi. Je suis désolée, il y a quelque chose que je... C'est une putain de blague. J'irai nulle part avec vous. Vous me feriez quitter mon appart, mes amis, tout ce qui compte pour moi. Ce qui t'attend a tellement, tellement plus d'importance. Ouais ben, c'est non, y a pas moyen. Réfléchis, si Netwatch débarque ici, qu'est-ce qui arrivera à tes amis? Ceux qui te font confiance, qui t'aiment. Netwatch le saura. Il saura qui t'a prêté les édits pour ta console, qui t'a laissé te connecter au sous-réseau du café en bas. Faut que tu comprennes, je suis ta seule chance de te protéger. De protéger tes amis. Sinon, ils en souffriront. Quoi ? Vous essayez de me faire chanter ? Vous me connaissez mal. Mais je connais des gens comme toi. Et je connais déjà ta réponse, c'est juste que tu refuses encore de l'admettre. L'avenir, je me sentirais toujours en sécurité. J'aurais mieux fait de me tourner vers le passé, de tirer des leçons de tout ce que j'ai perdu, encore et encore. J'ai commis beaucoup d'erreurs, V. Trop pour les compter. On fait tous des erreurs. Je le sais, j'en ai fait plus que ma part. Certaines erreurs sont irréparables. Et alors ? Ça veut dire que tu dois baisser les bras ? Arrêter de te battre ? On peut pas changer le passé, Somi. Il faut laisser certains souvenirs là où ils sont et avancer. C'est vrai qu'on meurt comme ça ? Avec ces souvenirs pour se réconforter. Je vais pas te laisser mourir, Somi. On va s'en tirer. Tous les deux. Merci. Je garderai cet instant en souvenir. Juste celui-là. Chez moi, un ami à mes côtés. Avant que tout devienne noir. Pendant une seconde, je saurais que j'étais pas seule. Qu'est-ce qui se passe ? Le mur noir. On n'a plus que quelques secondes. Quoi ? Somi, où ? Le cœur. Retrouve-moi là-bas et... Et aide-moi. Une dernière fois. Eh ben... C'était chaud. Hein. Alors, entrer dans le cœur. Je te reçois, Reed. V, enfin. Le
verrouillage des communications par le mur noir a été désactivé. Je suis en route vers ta position. Somi est avec toi. Elle est là. Elle est en vie. Bien. Prends soin d'elle. J'arrive tout de suite. On va la sauver. C'est bien que tu sois là. Ma deuxième chance, elle est jamais venue. Pas vrai? C'est pas encore fini. Essaie de tenir encore un peu. Tu sais que c'est faux. Je le vois dans ton regard. Somi. Je suis en train de disparaître, V. Aide-moi. Somi, je... J'ai essayé par moi-même. J'ai plus la force. Aide-moi à en finir. Je partirai vite. Somi, on a la matrice neurale. On va l'utiliser pour te guérir et pour me guérir. Tout va bien. Tout ira bien. C'est... trop tard pour moi. Le mur noir me contrôle. Presque... totalement. La mort est mon seul espoir, ma seule issue. V, je t'en supplie. Somi, je peux pas. C'est pas une solution. C'est... seule solution. Je t'en supplie. Mais... Je peux pas, Somi. Tu sais que j'ai besoin de la matrice neurale. Utilise-la quand je serai morte. Elle fonctionnera. Mais je t'en prie. Je suis désolé, Somi. Mais la FIA... ils m'aideront uniquement si je te ramène en vie. C'est le marché. Non, pitié. Tu m'envoies vers... un futur pire que... pire que la mort. Somi. Ça va aller. Ce sera bientôt fini. Tu vas pouvoir te reposer. Aide-moi. T'as
pas dit un mot de tout le trajet. Qu'est-ce qui te bouffe? Je sais pas. Je sais pas, V. Tu veux qu'on parle? De tout ce qui s'est passé? On a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, on va l'aider. Mais j'arrête pas de voir la même scène encore et encore, comme gravée dans mon cerveau. On est dans une voiture en marche. On est en train de quitter Brooklyn. Et elle refuse de se retourner pour regarder en arrière. Pas de larmes, pas de pleurs, juste une phrase. On dirait que tu m'as sauvé la vie. Mais elle y croit pas. Je vois bien qu'elle y croit pas. Est-ce qu'elle dirait la même chose maintenant? Je crois que oui. Tu l'as sauvé ce jour-là. Et j'espère qu'on la sauvera encore maintenant. On est dans le même bateau, Song et moi. Le temps presse pour nous. J'espère juste que la FIA sera à la hauteur. Bien sûr. Avec toi jusqu'à la fin, ok? Veuillez sortir du véhicule! Reed? Allez, sortez du véhicule, tout de suite! Calmez-vous, putain, vous voyez pas qu'elle a besoin d'aide? Vais de là, s'il te plaît. C'est bon. Vraiment un gros con, lui. Juste ici, monsieur. Allez-y doucement. Zone sécurisée. Paré pour l'atterrissage. Ne vous en faites pas, Somi. Nous allons vous aider, et ce sera bientôt fini. Veillez bien sur elle. Hé, la présidente souhaiterait vous parler. J'ai pas trop envie, mais bon... Ravi de vous voir, madame la présidente. Pareillement. Félicitations. Je vois que cette opération est une réussite. Vous avez prêté serment, V. C'était purement symbolique, comme tous les rituels patriotiques. Mais je suis doublement impressionné. Car vous avez risqué votre vie pour m'aider, et pour aider notre nation. Je m'attendais pas à ça.
Merci de votre aide, V. Je ne l'oublierai pas. Vous pouvez l'aider? Vous êtes sûr? Ne vous en faites pas. Elle est entre de bonnes mains. Et elle recevra les meilleurs soins disponibles sur le continent. Il y a intérêt, Rosalind. Il y a intérêt. Vous avez tous les deux sauvé la vie de Somi. Ça n'a pas de prix, mais vous aurez une récompense appropriée. Ok, donc c'est bon. On peut enfin retourner à l'essentiel. Parce qu'avec tout ce protocole, je commençais à croire qu'on était filmé. Je vous assure qu'il n'y aura aucune trace de ce rendez-vous. Officiellement, il n'a même pas lieu. La médaille est purement symbolique, vous vous en doutez. Votre véritable récompense aura plus d'utilité pour vous. Reed vous donnera les détails. Vous me préviendrez quand Somi ira mieux. Ne vous en faites pas, elle se rétablira. Ok, mais vous me tiendrez au courant, hein? Vous me laisserez lui parler. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pour des raisons de sécurité nationale, tous ces événements seront classés secret défense. Au revoir, Rosalind. Bonne chance, V. Nous ferons peut-être encore appel à vos services à l'avenir. Nous gardons un œil sur vous. Quelle bouteille de champagne à côté. Nous sommes prêts à partir. Une fois, elle m'a demandé si je serais toujours à ses côtés chaque fois qu'elle merderait. J'ai répondu que je raterais ça pour rien au monde. Elle m'a pas cru. Elle a souri en remuant la tête. Mais je voyais bien qu'elle me croyait pas. Et ensuite, tu sais quoi? Elle m'a dit, j'ai perdu tous mes amis quand tu m'as recruté. Alors, je te demande qu'une chose. Ne deviens pas mon ennemi. Maintenant, je me demande si elle avait raison de ne pas me croire. Ou si j'ai quand même réussi à tenir ma promesse. Je sais que Somi avait reçu la même médaille, juste après sa première OP pour la FIA. Elle l'a donné à un sans-abri sur la 21e. Le type l'a accroché à sa veste comme si c'était un pins et lui a demandé de la monnaie. Putain, V. Putain. Reed, si Myers ment... Si elle cherche pas à sauver Somi, alors ça veut dire qu'on lui a offert un truc pire que la mort. Tu crois que je le sais pas? La FIA la sauvera. Elle va s'en sortir. Écoute, il me faut quelques jours pour mettre en place ce qu'on t'a promis. J'espère que ce sera pas un problème. Si tu pouvais te dépêcher, mes jours sont comptés, tu sais. Je suis au courant. Cette médaille et cette pièce de Myers, elles symbolisent des souvenirs importants, et jamais des regrets. Elles me serviront peut-être de souvenirs. Ou d'avertissement. Le temps nous le dira. Et Somi, on se voit bientôt.
tu sais, depuis le début de cette histoire avec la FIA, il y a un sentiment bizarre que j'essaie d'identifier. Cette peur qui me bouffe de l'intérieur, qui gueule de plus en plus fort, et qui me dit de me barrer le plus loin possible. Je crois que j'ai enfin compris ce que c'était. C'est tellement toi, Johnny. Se barrer dès que ça commence à se corser ou à être pesant. Et va te faire foutre. C'est tellement moi aussi. Y a qu'à regarder toutes tes relations. Ok. Ça suffit. Certaines histoires sont pas faites pour bien se terminer. Elles laissent tout un tas de questions en suspens. Des questions qu'on traballe avec soi jusqu'au jour où on clame. Je crois que t'as raison. Un peu que j'ai raison. Mais à force de t'éterniser sur les erreurs du passé, tu pourrais finir par les répéter. Comment ça? T'essaies tellement de t'en éloigner que tu te rends même plus compte que tu cours en cercle pour revenir droit vers elle. Et bam, dans la gueule. Exactement. Ah, d'une manière ou d'une autre, ça part toujours en couille. D'abord Saburo, ensuite Yorinobu, et maintenant Myers et Songbird. Tu sais que t'as le don pour te mettre les mauvaises personnes à dos. Non, mais plus sérieusement, comment tu te sens après tout ce qui s'est passé? Somi n'avait pas à mourir là-bas. J'ai fait ce qui me semblait juste. Juste pour toi? Pour elle? Pour moi? Somi va se remettre sur pied. Tout finira par rentrer dans l'ordre. Oh, sérieux? Tes mots sonnent tellement creux que je crois avoir entendu un écho. Au moins, ça t'a valu une médaille. Tu m'aides pas, Johnny. Je sais, je te facilite pas toujours la tâche. Mais quand je pense à Songbird et à Reed, je vois enfin pourquoi j'ai pris toutes ces putains de décisions. Pourquoi j'ai disparu pendant la guerre. Pourquoi j'ai mené la lutte contre Arasaka. Pourquoi je me suis pris autant la tête avec Kerry en lui disant qu'il avait pas de couilles. Malgré tout ce qui s'est passé, je crois que je comprends enfin pourquoi je combattis avec Reed. C'est parce qu'on est pareil, lui et moi. Des idéalistes qui se battent pour une cause, incapables de voir qu'on va causer la mort de tout ce qu'on aime. Le seul truc qui nous différencie, c'est qu'il fait confiance au système et à ses principes. Sauf que la limite qui sépare les idéaux de la simple naïveté, eh ben, elle est foutrement mince. C'est là qu'on voit que vous êtes pas similaires. Reed a tout fait pour garder Song en vie. Il a tout sacrifié, même sa propre vie. Toi, en revanche... J'imagine que je poursuivais pas vraiment des idéaux. J'essayais tout simplement de fuir la vie. Et tu la fuis toujours? Quelle importance. Je respire toujours, en un sens. Même si je sais pas trop bien pourquoi. Essaie de te rappeler pourquoi. Je vais commencer par bien me regarder dans une glace. Je sais déjà que je vais détester ce que j'y verrai. Bon, eh ben c'était chouette de causer. Allez, lève-toi. C'est quoi? C'est cool qu'on ait pu discuter, Johnny. T'as changé. En bien ou en mal? On le saura bien assez tôt. Allez, on y va. Ah, enfin. Refuser la demande de Songbird. Ah,
Alors, Forscorn 7, un message de Reed. Surprise, bienvenue, nouvelle raison de stresser, il veut te rencontrer là où tout a commencé. Ah putain, pour la subtilité du symbole, on repassera. Le problème avec les symboles, c'est qu'ils peuvent vouloir dire tout un tas de trucs différents, surtout quand l'invitation est lancée par un agent de la FIA. Effectivement, c'est là où on s'est rencontré. C'est là qu'on s'est rencontré. Sur ce terrain. Mais c'est plus le même match. Ouais, c'est sûr. Je t'ai appelé parce que j'ai jamais eu l'occasion de te remercier. On a fait ce qu'il fallait. Somi est en vie. Beau boulot. Et du coup, comment est-ce qu'elle va, Somi ? Les modifications de son système nerveux, les dégradations anthropiques, elles étaient trop avancées. La matrice a pas marché sur elle. Alors, on l'a mise de côté pour toi. On a dû recourir à des méthodes alternatives, mais Somi vivra. Je crois même qu'elle pourra reprendre du service. J'espère que ces méthodes alternatives suffiront. On lui a fait une promesse. On lui a dit que tout irait bien. J'ai dit qu'elle recevrait les meilleurs soins disponibles. Une chance de réparer ses erreurs, de se racheter. Je peux pas faire plus. Ouais, je sais que t'as raison. On a fait ce qu'il fallait. C'était le seul moyen de donner une seconde chance à Somi. Et de la garder plus ou moins en sécurité. Je suis d'accord avec toi. Mais je me demande quand même si... si t'aurais pas pu faire plus pour elle. V, Songbird est un agent de la FIA dans un état critique. Et nos meilleurs spécialistes s'occupent d'elle dans une clinique de la FIA. Je peux rien faire de plus pour elle. C'est plus de mon sort. Ça veut dire quoi ? Myers m'a convoqué à Washington. Je vais certainement me retrouver à Langley ou à Ginkgo. Un job de bureau ? Au moins, pour un temps. Je vais choisir des agents prometteurs parmi les nouvelles recrues. Des agents prometteurs. Ouais, faut bien l'avouer. T'as un don pour analyser les gens. Je sais surtout détecter les talents en eux. Mais ça devrait me suffire. Bon, on dirait que t'as enfin trouvé ton rôle sur cette terre. Essaie de trouver le tien aussi, avant qu'il soit trop tard. Mais pas à n'importe quel prix. Parce que tu sais comment ça peut finir. Ok. Prends soin de toi, Reed. Je te ferai signe quand nos neurochirurgiens seront prêts. Prends soin de toi, V. Je vais rester encore un peu. Bien, et là, on peut reboucler sur Who Wants to Live Forever, qui est la fin qu'on avait déjà eue, on se fait opérer, ainsi de suite. Donc, deuxième moyen de pouvoir se faire opérer. Alors, cette fois-ci, on va être beaucoup moins sympa. Bordel, Somi. Tu devais bien te douter que ça finirait mal. Je... continuerai... à espérer. Mais maintenant, je sais. Quand on perd quelque chose... c'est pour de bon. Somi... je suis... en train de disparaître, mais... Somi, je... j'ai essayé par moi-même. J'ai plus la force. S'il te plaît.
Aide-moi à en finir. Après, d'un autre côté, c'est ce qu'elle demande. Ça a toujours été ton choix, Somi. Je le comprends maintenant. Et je le respecte. Merci. Et... je suis désolée. Je suis désolée pour tout. On arrive trop tard, c'est ça? Putain, Reed. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Il faut qu'on la sorte d'ici. Bien. Allez, on se bouge. Vachement silencieux. Tout va bien. Je crois pas qu'il y ait grand chose à dire là. Tu penses que c'est ma faute, c'est ça? Tu crois qu'elle est morte à cause de moi? Je préférerais que ce soit ta faute. Reed. J'aurais dû être là-bas avec Somi. Pas toi. J'aurais dû la regarder dans les yeux pendant qu'elle disait qu'elle voulait plus vivre. J'aurais pu la faire changer d'avis. Tu le penses vraiment? Faute de personne, Reed. S'il te plaît, arrête. Somi a choisi cette voie. Y a rien qui pouvait changer ça. Dommage, on saura jamais si t'as raison ou pas. C'était pas à toi de prendre cette décision, Reed. C'était pas ta faute. Terry, agent spécial de la FIA. Je vais demander à nos gars de récupérer le corps. Non. V, tu pourrais porter Somi, s'il te plaît. Je m'en occupe. Posez-la ici.
Veillez bien sur elle. V, la présidente souhaiterait vous parler. Je leur donne ma médaille. Je vais pas vous serrer la main, Myers. Pas après tout ça. Si quelqu'un doit être tenu pour responsable ici, c'est bien vous, pas moi. C'est à cause de vous que Somi est morte. Vous le savez, pas vrai? Si vous l'aviez pas poussée à traverser le mur noir, à tomber du haut d'une falaise. Ce n'est pas moi qui l'ai laissée me traîner dans tout Dogtown pour me débarrasser d'elle à la première occasion. Vous le savez, n'est-ce pas? Song a préféré mourir plutôt que de tomber entre vos mains. Vous le savez, pas vrai? Pour l'avoir côtoyée trop souvent, la mort n'est jamais une réponse. Si j'avais été à sa place, j'aurais choisi la vie. Ouais, mais vous y étiez pas. Si je ne me trompe pas, vous non plus. Allez vous faire foutre, Myers. J'en peux plus de vos conneries. Finissons-en avec cette comédie. Très bien. Je ne peux pas nier que vous avez essayé de l'aider. Merci de votre engagement pour les NUSA. Rosaline, attendez. Et ma récompense. Je vous rappelle que vous m'aviez promis de l'aide. Nous avions promis de vous aider si vous rameniez Somi vivante. Si vous ne remplissez pas votre part du marché, pourquoi devrions-nous remplir la nôtre? Nous devrions d'ailleurs vous facturer le préjudice causé à l'agence et au NUSA. Mais le gouvernement fédéral vaut mieux que ça. Quant à votre récompense... 5 000. La garce. C'est une garce. Tout va bien. Nous sommes prêts à partir. Une fois, elle m'a demandé si je serais toujours à ses côtés chaque fois qu'elle merderait. Je lui ai répondu que je raterais ça pour rien au monde. Elle m'a pas cru. Elle a souri en remuant la tête, mais... Je voyais bien qu'elle me croyait pas. Elle m'a dit, j'ai perdu tous mes amis quand tu m'as recruté. Alors je te demande qu'une chose. Ne deviens pas mon ennemi. Putain. J'étais son ami ou son ennemi? Peut-être que vos... Oh, putain, le sable brûlant. Je crois que vous cherchiez tous quelque chose de différent, mais... T'étais pas son ennemi, Reed. J'en ai la certitude. Ouais. Au moins l'un de nous deux a des certitudes. Je l'ai laissé tomber. Somi t'en voulait pas. Et tu devrais faire pareil. Tu sais, Reed, j'ai fini par connaître Somi presque aussi bien que toi. Si jamais tu veux parler... Je crois qu'il est temps que tu retournes à Night City. Ça vaut. J'espère que t'es en paix maintenant. Tu sais, depuis le début de cette histoire avec la FIA, il y a un sentiment bizarre que j'essaie d'identifier. Cette peur qui me bouffe de l'intérieur, qui gueule de plus en plus fort, et qui me dit de me barrer le plus loin possible. Je crois que j'ai enfin compris ce que c'était. Tu sais quoi, Johnny? J'ai pas envie de parler de ça maintenant.
Bien, accomplir la demande de Songbird, roi de coupe. Ah, enfin. Donc on voit qu'il y a beaucoup de similitudes hein, avec l'autre l'autre fin, et on débloque Fourscore N7, donc on va pouvoir rediscuter avec notre ami. Cependant, cette fois-ci, on n'aura pas de choix de remède. Voilà pour cette dernière fin.